Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau live découverte sur The Walking Dead Destinies qui est disponible en démat actuellement sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC. Et il sort en physique le 1er décembre. Voilà, allez, let's go, on va tester ça. Le jeu dans l'univers de Walking Dead. Comme d'habitude, je découvre le jeu en même temps que vous, hein. C'est le concept du let's play, du live découverte. Flux Game. Bon, il doit être sous-titré en français le jeu, parce que j'y crois pas trop à la VF en audio. Ce jeu est doté d'une fonction de sauvegarde automatique. Sans blague. Ah, il y a la musique. Oula. Par contre, j'ai peur qu'on me strike la vidéo. Attendez, je coupe. Alors, j'ai peur qu'on me coupe le son de la musique. Du jeu. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Nouvelle partie, on met option. Est-ce qu'il y a un mode stream? Est-ce que je vais attendre, je vais remettre le son. Ah, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur cette histoire de son. Commande, avertissement, oui, appliquer. Salut Bernard, comment vas-tu? Attends 2 secondes, je vais juste regarder un truc sur les options audio commandes. Viser, il n'y a pas d'un truc d'option audio. Ok. Bon, on va laisser, on va remettre le son parce que quand même, ce serait abusé. On fait retour et on lance une nouvelle partie. Créer une nouvelle sauvegarde. Luminosité, on est parfait. Allez, c'est parti. Grain pellicule, défaut. Bas. Grains pellicules, on va enlever les grains pellicules. Bah ça va, merci, tranquillement. J'espère que j'aurai pas de problème de droit d'auteur. Je sais pas si on met les droits. On va mettre par défaut. Allez, on met défaut par défaut. On va laisser comme ils l'ont appliqué dans le jeu. Alors en mode facile, la douleur ne disparaît pas, on apprend simplement à vivre avec. En moyen, les mers calmes ne font pas de bons marins. Santé du joueur, ok, on met en moyen les amis. Vivez l'histoire, la difficulté à laquelle a été conçue, il n'est pas facile de survivre dans ce monde hostile, mais vous pouvez le faire. Allez, on le fait. Recentrer la caméra, poignarder, ok, j'ai pas eu le temps de lire. The Walking Dead, déverrouiller de nouvelles compétences et améliorez-les à tout moment en utilisant vos points dans le menu compétences. Ok, vas-y, si je commence déjà à bafouiller au début du live, ça va pas le faire. Acte 1, bienvenue dans l'Apocalypse. Épisode 1, passé décomposé. J'ai enfin fini Mirage. Ah, GG! Alors du coup, ça commence comme dans le film. Ça finit. Ça fait comme dans le film, on atterrit dans l'hôpital. Sortez de la pièce. Ok. Je m'attendais pas à... Par contre, si... Faut rester appuyé quoi, j'aurais pu. Ça aurait été plus simple de le faire directement en appuyant sans rester appuyé. Pour info les amis, je joue sur PS5. Et je remercie Just4Game de m'avoir donné l'opportunité de tester le jeu. Merci à toi. Demain je commence Tintin. Bah. Moi j'attends qu'il soit un peu moins buggé parce qu'apparemment il y a des baisses de framerate sur le jeu, c'est pas ouf ouf. On peut pas courir, c'est normal. Alors. Instinct, trouvez et prenez des médicaments anti-douleur. Ramassez les médicaments. Ah, j'ai trouvé des médicaments L1 pour prendre des. Ah, faut rester appuyé. Ok, je me suis soigné.
Alors, vous avez vu, ils ont pas mis son vrai. Ah si, c'est Rick Grimes. Mais moi, j'ai cru que Rick Grimes, ça s'écrivait avec un A, quoi. Donc, je suis étonné. Fais voir, juste 2 secondes. Alors, The Walking Dead. Ils ont vraiment pris en fait les vrais noms. Ce que je me disais, c'était bizarre. Walking Dead. Ah oui, ça s'écrit comme ça. Alors, moi, j'étais. G de mise à jour, j'espère que c'est réglé. Tu l'as platiné ou pas, Mirage, du coup? Bon, du coup, il n'y a pas niveau graphisme, il n'y a pas de mode qualité, de mode performance, il est tel qu'il est. Alors, par contre, Rick Graham, il lui ressemble pas du tout. Oh, les zombies! Ah bah GG si tu l'as platiné. Écoute. Il est pas facile. Franchement, c'est là, je pense que c'est le Assassin's Creed le plus facile à. À. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, à platiner. Parce que les autres à la base, c'était chaud. Ok. Alors, Empreinte des ennemis, appuyez sur 1 pour mettre en surveillance les ennemis. Ok. Ok, on sait de quel endroit ils vont passer. Voilà, je suis passé. Je suis passé. Allez. Faut y aller, Tommy. Il va faire un demi-tour. Je le sens pas du tout. Voilà, on va attendre. Et après, on va se mettre dans la fumée. Les ennemis ne peuvent pas vous voir quand vous êtes accroupi dans la fumée. Évitez de faire du bruit pour vous faufiler et les contourner. Ok. L'homme voit pas. Donc, du coup, il faut attendre qu'il retourne en arrière. Et je vais me faufiler. Allez, fais demi-tour, petit zombie. Ok, on est bon. On va prendre l'escalier. Est-ce qu'on peut courir? Bon, je crois déjà. On est déjà pas mal. Attends, on va voir s'il y a un zombie caché. Y a-t-il un zombie caché? Roulez au milieu des rôdeurs pour atteindre. À la sortie. Oula. Ah, l'opéra de la Duel 5 a fait un bruit de zombie. Qu'est-ce qu'ils a roulé au milieu des zombies? Je sais pas ce qu'ils entendent par ça. Faut voir. Ah, roulade. Ah. Attends, qu'est-ce qu'il me fait? Ok. Ouh, par contre, j'ai failli me faire défoncer là. J'ai failli me faire défoncer. Point de contrôle. Bon, je suis dehors. Traverser discrètement le parking. Oh, il y a la musique, j'aime pas trop ça, les amis. Alors les bouteilles, L1. J'espère que je vais pas me faire strike la vidéo les amis, hein, parce que les droits d'auteur ce serait pas cool. Ah, j'ai ramassé la bouteille. Oula. Ah, je vais me faire cramer.
J'ai réussi! Ouais, mais c'est pourri! S'il n'y a pas d'ambiance, c'est chiant quoi, tu vois, c'est un peu la. C'est un peu quand même la base du jeu quoi. Après, je pense que je vais avoir des petites coupures de musique, mais c'est tout quoi. Enfin, j'espère. Tant que vous êtes en live, c'est bon. Salut Cyril, tu vas bien? Alors, certaines armes sont plus efficaces contre des groupes, d'autres plus indiquées pour se débarrasser d'ennemis, et ça va trop vite, j'ai même pas le temps de lire. Plus tard, ce jour-là, quartier de Rick, épisode 2. Écoutez bien. Qui c'est que ça? Bon, déjà, il lui ressemble un peu plus là. Ben, ça va bien et tout. Tu t'es dit que tu voulais voir à quoi ressemblait le jeu Walking Dead? Hey you, what's that bandage for? Ah mais c'est Morgan. Did you get bit? Bit? C'est Morgan. No, I got shot. Shot? You even know what's going on? I'm a cop. Woke up today in the hospital. That's all I know. First you need proper. C'est vrai qu'il s'est réveillé à l'hôpital, il sait pas pourquoi en fait. The sheriff's cruiser just up the road. Might have something that'll fit you. Then you need to know. Alors, faut expliquer pour les rôdeurs, le type que je viens d'abattre vous aimerait déchiqueter pour vous dévorer. Try to eat you. If this is the first you're hearing it, you need to listen up. Allez, c'est Morgan. Allez, on va suivre Morgan. Vous voulez vous préférez avec le grain ou pas? Attendez, on va tenter d'enlever les grains pour voir. Options, on va voir. Pas ajuster la luminosité, paramètres de difficulté. Non, grain de pellicule. Bah, désactiver, on va voir. On va désactiver. Ah, il n'y a plus de pellicule. Ah bah écoute, c'est mieux sans grain. Non. C'est bien pour la série, mais en fait... parce qu'on voit la différence quand je fais option... mince, il est où? Grain pellicule. Bas. Défaut. On va remettre pour voir. Ouais, ils ont voulu faire comme la série. Mais sur le jeu, je préfère... En fait, je trouve que... Déjà, le jeu, il est pas graphiquement, il est pas ouf, ouf, ouf. Donc du coup, si tu mets du grain en plus, c'est pas foufou, quoi. Donc on va enlever la pellicule. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, recentrer la caméra. Fouiller le véhicule de police, il est où? Par contre, il n'y a plus de son. C'est normal? Ah voilà, il y avait un problème. Il y avait un bug, les amis. Voilà. Il était resté... Il y avait un problème de son. Voilà, on a entendu. Voilà. Ah, c'est moi, ça. Ramasser les vêtements de shérif. Aïe, je suis Rick Graham. Allez à la maison de Morgan. Elle est où la maison de Morgan? Allez à droite. Bon. Rick, stay on this channel so we can talk. I'm watching from the roof. Copy. After okay. That, I need to go find my family. C'est vrai qu'on a rencontré Morgan au début, qui était avec son fils. Après, on ne le voit plus. Après, il vient à la saison 5. À Alexandria. Oh, couteau. The best way to take these things down is nice and quiet. On ramasse. In the head. I'll take that, thanks. But coup dans le dos. Takes a lot out of you. Be careful, else you run out of stamina when you need it most. Oh, je les ai tués. J'ai eu un trophée en plus. Est-ce qu'il est vivant? Oh. Now try using a bat to smash him in the head. Grab the one near you, good. Use the bat to okay, on va nettoyer la zone. When they're stunned, that's when you're going for the kill. On y va discrètement, on va les défoncer. Ils bougent pas.
Allez, viens là. Ah! Ah, j'ai plus de... Allez, allez, allez. Ah, j'ai plus de... Pouh, j'avais plus de munitions, je change d'arme. Time to smash some skulls. Oh là là, c'est ouf. Allez. Hop là. Salut Ludo, comment vas-tu? Il a l'air génial le jeu. Bah écoute, je m'attendais à que ce soit plus catastrophique que ça. Franchement, parce que j'ai vu des retours que c'était pas fameux apparemment. Mais et puis même la bande-annonce, c'est vrai qu'il donnait pas trop envie. Mais moi, j'adore Walking Dead, sauf les dernières saisons qui sont un peu, voilà, j'ai pas spoilé, mais bon. Mais ça va, franchement, j'attends de voir. C'est un peu mou au niveau du gameplay, mais ça va. Et lui, je vais me mettre derrière lui. Tiens! The Walking Dead! Previously, The Walking Dead. Oh non! Il m'a détecté, comment il m'a détecté? Oh non, 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 non! My blood's boiling. Oh non! Allez, je t'ai défoncé. Oh, j'entends un zombie. Je suis un zombie. Allez, t'es dead. Faut que je reprenne de l'endu. Non, je te spoil pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je dis juste que j'ai... Walking Dead, au bout d'un moment, c'est juste un peu... Oula! Allez, allez! Comment dire? C'est juste qu'au bout d'un moment, tu sais, ça s'essouffle un peu la série, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Sinon, je raconte pas, t'inquiète pas. Alors, bon, ils sont morts ou pas, là? Quand... Attends, pour exécuter, j'avais pas vu... Bah... Bas fort, frappez vos ennemis. Ah non, mais c'est ça. Ah voilà. Ah bah voilà, je viens de faire un... une exécute. Voilà. Oh là là. Bah ouais, ils ont fait des spin-offs et tout, et là ils ont sorti... Enfin, je commence à regarder aussi... C'est sur Paramount, là, le... Avec Daryl. Alors, faut que je passe par derrière. Est-ce qu'il va me voir? Attaque puissante, R2. Il me voit quand même. Tiens, c'est bien le couteau, il reste... J'entends un zombie. Allez! On va où? Mais je pouvais passer par... mais non, pourquoi je veux courir à tout prix? Y'a pas un passage là? Voilà. Là ça passe. Et là je me baisse. Piétiner. Oh, ça c'est bien ça. Alors on piétine avec carré les amis. Trouver le véhicule de patrouille de la police.
Alright, look. There's a police cruiser at the end of the street. Allez hop. Should still have some gas in the tank. I don't need it. I'm grateful. Là-bas, il y a deux zombies au sol. Un qui marche. Ouh, il y en a beaucoup. Allez, oh là là, il y en a beaucoup. Dégagez de la zone. Oh! Too many walkers here. Dernier souffle, c'est quoi le trophée? Ah mince, je me suis trompé. Tuer un ennemi, je voulais avec une attaque effectuée, je me suis planté. Attendez, j'ai pas fermé le jeu, heureusement. Retournez dans le jeu. Oh non, non, y'a trop de monde, y'a trop de monde. Allez, allez, allez. Allez, il faut que je reprenne du souffle. Ah non, j'aurais dû mettre un coup de couteau. Ah là là, je fais n'importe quoi, je gère mal mon... Allez, viens là. Non, 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 viens là. Yushu. Yushu. Oh, t'es barjo. C'est quoi ça? Tu es 7 rôdeurs autour de la voiture de... Oh, cool. Oh. En fait, ce qui fait que le jeu va être va intéresser plein de joueurs, c'est plus l'univers en fait que les graphismes et son gameplay en fait. Ah, j'ai pas été assez. Voilà. Voilà, montez dans la voiture. Ok, je suis à la voiture de police. Je vais faire pimpon, pimpon. Broadcasting on emergency channel. We'll be approaching Atlanta on Highway 85. If anyone can read me, please respond. Hello? I read you. Bon, pour l'instant, ça suit l'histoire du jeu, de la série pour l'instant. Hello. Please respond. Répondez, s'il vous plaît. You're breaking up. Please respond. Bah quand même, ils ont ça a marché pendant 11 ans les amis hein. J'ai fini le premier acte. Alors, Rick et Morgan se séparent en se promettant de rester en contact par radio. Bon, c'est ça comme dans la série. Morgan raconte à Rick qu'il a entendu des rumeurs sur un campement militaire à Atlanta qui abriterait des survivants. Rick part en direction d'Atlanta, pardon. Pourquoi je veux dire Atalanta? Atalanta, c'est une équipe de football en Italie. Cependant, en arrivant dans la ville, il découvre qu'elle est envahie par les morts. Il ne lui reste plus qu'à continuer à rechercher sa famille et garder espoir. Donc, c'est là qu'il va rencontrer normalement Glenn, si je dis pas de bêtises. On est d'accord ou pas? L'histoire du tank. Quelques temps plus tard, Atlanta, Georgie. Ah ouais, mais c'est là qu'il va rencontrer Glenn. On va rencontrer Glenn, les amis. Épisode 3, Trip. Du coup, il y a des actes et des épisodes. Avancez, Atlanta. Offensive. Faites preuve de furtivité. Ok. Ok. Alors il y a un zombie là. Il y en a même plusieurs. On va passer derrière. Bon, l'univers est bien. Ça respecte bien l'univers.
Bon, on voit qu'ils ont eu un petit budget. Parce que graphiquement, bah voilà, hein, c'est... Il n'est pas extraordinaire. Ouh, il y a des zombies derrière. Comment je fais pour passer? Ah, ok. Faut que je fasse le tour par là-bas. Je peux pas grimper. Ok, mais elle est où l'entrée? Ah. Ok, j'avais pas vu. Je pensais que je pouvais. J'étais bloqué par là. Ok, on y est. Got it. J'ai ramassé une bouteille. I'll take that, thanks. Allez, on jette la bouteille. Got it. This'll distract him. Damn. Est-ce que je peux le poignarder vite? Il faut pas qu'il se retourne, faut pas qu'il se retourne. Ça c'est bon ça. Got it. J'ai des médicaments L1. I need to take the edge off. Ah mais j'étais déjà full life. Ok. Alors, lui on va essayer de le... Damn. Ok, on est bon. Allez, shit. Ah non, j'appuie deux fois. Bon, je suis obligé de me les faire. Allez hop là. Ça c'est carré. Trouver un moyen d'avancer. Dead end. Maybe I get out through ah non, c'est pourquoi j'appuie sur ça. Non, ça je peux pas. Faut que je passe par le bus. Salut, c'est moi Otto, je passe par le bus scolaire. Dead end. Maybe I get out through that bus. Ah, ah oui, il y a le bus. Alors ça on détruit. Hop, on se baisse. Bah vous en pensez quoi pour le moment du jeu? Ah mince! Ok, faut que je me casse, faut que je fasse ça. Voilà. Allez, tiens, prends ça. Ah mince! Voilà, toi t'es mort. Par contre, ma vie, c'est pas foufou, j'ai l'impression, non? Bien foutu, j'ai massé comme les têtes. Éclaté. Bah, il paye pas de mine le jeu, mais l'univers est là. Et c'est ça qui va sauver le jeu pour moi. En fait, j'avais peur qu'il y a... Ça avait rien à voir à la série, quoi. Better be careful now. Oh merde, je vais me faire cramer, je vais me faire cramer. Faut que je passe... Ok, j'ai trouvé une idée.
right between the apples. Blood's boiling. Shut now. C'est quoi? Poignarder 10 rôdeurs à la suite. Ah, je suis dans la merde. Voilà, il faut que j'y aille un par un, sinon je me fais défoncer. Oh. Oh, je me suis... Oh, j'avais plus de vie en plus. J'avais plus de vie. Faut que je trouve de la vie, ce serait cool. Bon là il y a une bouteille. Got it. Je peux leur mettre dans la tête ou pas? This'll distract them. Have to keep going. Je vais me faire cramer, Ah, il y a des médicaments. I'll take that, thanks. I need to take the edge off. Ah, je me suis trompé. Ah, je suis dans la mer noire. Ah, je suis dans la mer noire. Casse-toi, Tommy, casse-toi. Ça va, ils sont pas très rapides ceux-là. Et j'ai peur que... Au bout d'un moment, ils vont faire mal. Voilà. Allez hop. J'ai plus assez de vie. Les médicaments, j'ai... Mais éclater des têtes, ça me tente. Ah mince, je veux tout... à tout prix courir. Pourtant, il avance vite, hein, en vrai. Ah mais je suis arrivé par là. Pourquoi je retourne en arrière? Moi aussi j'ai besoin de soins. On est d'accord, je suis... Ah oui. Oh, je vais l'éclater direct. Allez hop. C'est bye bye. du soin, du soin. Je passe par l'autocar, je pense. Ah, bah, du soin. Ok, on peut trouver du soin ici. Ouh, regardez tous les zombies là-bas. Via l'échafaudage. Elle est où l'échafaudage? Il est où l'échafaudage, pardon? Attends, il y avait un truc au sol. I'll take that, thanks. Ah, ok. Alors attends, comment je vais pour... Attends, l'échafaudage, il est où? Ça, on peut pas le détruire. Ah! Si je passe par là, je passe par le...
par le... Je peux pas... C'est quoi ce bordel? Salut Romain! Tu viens voir les zombies? L'échafaudage est là-bas, on est d'accord. Donc... Je dois passer par le camion, on est d'accord les amis? Regarde. Ah non, pas par le camion. Ici. Et là, faut que je remonte par là. Voilà. Allez. Vous me voyez? Regardez, les zombies, dégagez. Laissez-moi tranquille. Oh, ça s'est cassé la gueule. Oh non, là. Il est où le tank? Attends, il est où le tank? Mais il est où le tank? Ah, ça s'appelle... Ça s'appelle pas The Walking Dead pour rien. Mourir pour la première fois. Ok, le tank il était juste là. Et comme dans la série du coup. Ça c'est bien, pour l'instant c'est respecté. Je vais être dans le tank. Et il y a Glenn qui va me sauver, enfin m'aider. Allez, dégagez, dégagez, dégagez. Oh non, mais laissez-moi tranquille. Oh là là. Ah, je me suis fait éclater. Je suis sur PS5. Enfin, Just4Game m'a envoyé un code PS4, ce qui leur restait. En fait, j'avais demandé sur Xbox. Ils avaient plus de code, du coup, ils m'ont envoyé un code PS4, mais vu que il en restait qu'une, un code, franchement, j'ai de la chance, et merci encore à eux. Et du coup, quand t'as un code PS5, t'as la mise à jour, mise à niveau à PS5 gratuitement. Mais, écoute, je suis surpris du jeu, pour l'instant. Je m'attendais à... Enfin, ça respecte la série, déjà. Allez, 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 laissez-moi tranquille. Je suis rageux. Je suis allé dans le tank. Gestion de la colère. Devenir rageux et survivre. C'est bon, je suis dans le tank. Hey, you. Dumbass. Yeah, you in the tank. Cozy in there? Who is this? Telio, c'est pas ça, c'est que... Hey, il est pas évident, t'as 10 000 zombies sur toi. C'est un gangbang de zombies. C'est pas évident, hein. T'as 10 000 zombies autour de toi. Ça blague pas. Et là, je suis Glenn. Voilà, les amis, je suis Glenn. Il veut pas se baisser. Pour... Ah, voilà, il m'a fait peur. Oh, man, that guy is screwed. But if I get to Main Street, I can help him. Je prends la bouteille. Du coup, il faut trouver un moyen de sortir de la ruelle. Ok, toi t'es mort. Alors, comment faire pour... Ah, je vais de l'autre côté. Ah, je peux grimper. Allez, on monte. Après. Ouh, il y a pas mal de zombies par ici. Alors, on se baisse. Oh mince! Allez, on recule. Ouh, il y en a combien là? Ah,
coming. Allez, y en a trop. On va les défoncer un par un, je suis obligé, hein. Allez, viens là. Voilà, allez, le dernier pour la route, le dernier. Oh merde, oh shit. Allez, hop là. Bon, j'ai fait le ménage. Est-ce que je peux prendre de... Oh, il y a des bouteilles encore. Bon, il me faut de la vie en fait. Faut que je monte en haut du bâtiment, c'est comme dans la série. Ça, faut que je casse ça. Hop, et je me baisse. Ah, des points de compétence. Récupérer des objets spéciaux pour gagner des points de compétence et débloquer de nouvelles compétences dans le menu destiné. Jackpot. Yes. Jackpot. Ouais, j'ai 2 points de compétence. Jackpot. Ouais, j'ai 6 points de compétence. Alors, destiné appuyé pour ouvrir. Ah, ok. Oh là 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 là. Mais il y a combien de trucs? Alors, avec Rick, qu'est-ce qu'on peut prendre? Plus 3 munitions pour chaque ramassage de munitions. Oh, ça c'est bien ça. Ok. Ça c'est quoi? Active l'attaque tactique avec la batte de baseball, maintenir l'attaque faible. That's gonna be great. Ça c'est bien ça. Et avec Glenn c'est quoi? Ok, c'est déplacement rapide. 10 points de compétence, ça va? Augmente. Ça c'est bien, important. Je n'ai pas assez de... Ah. Coup 13. Ah ouais, ils sont chauds. Ouais, va falloir que je me soigne. Mais j'ai pas de médicaments. This'll come in handy. Ok, et maintenant, je vais prendre... Tu vois, j'ai plus de médicaments. Faut que je trouve des médicaments. Alors, on va se baisser. I can start there. Ouh, trop de monde là-bas. Allez au camion de pompiers. Oh là là, il y a trop de monde. Shit. Faut que je me casse. Ah non, bah, je suis mort. Ah merde! En fait, quand je suis en mode rageux, je peux me barrer. Il y a trop de zombies! Allez, dernier point de contrôle. Oh non, je reprends d'ici! Ah, c'est pas cool! Ah, c'est pas cool! Bon. Allez. Vas-y, monte. Pourquoi tu vas pas... Ah, je me disais, mais merde, pourquoi il veut pas monter? Sneak around those walkers. Piece of cake. Alors lui, il arrive par derrière. I'll take that. Ouh. Thanks. Crap. Oh, il a pas voulu lui mettre un coup. Ah, je suis dans la merde, moi. Mais baisse-toi! Il a pas voulu se baisser! Je lui dis accroupis-toi là! Il a pas voulu!
J'ai appuyé, il a pas voulu s'accroupir. Alors peut-être en mode rageux, tu peux pas le faire. Oh man, that guy. Voilà, là ça fonctionne. Bet if I get to Main Street, I can help you. Don't mind if I do. Allez, avant. Allez, hop. Yo 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 yo. Sneak around those walkers. Piece of cake. This'll distract them. Right through the shit. Blood is boiling. Allez hop! Ça va, ils sont pas trop. Ah, j'aurais dû attendre, j'étais trop pressé, surtout que j'avais. Voilà! Alors. He's trapped. What a dumbass. Ok, et là je peux me baisser. Et là sans me baisser ça passe. Il y a eu un bug. Bon, je comprends pas. Ah, faut que je refasse les trucs. Jackpot. Jackpot. Allez, on refait. Ah, le bug. Vous avez vu le bug? J'ai de nouveau 13 points. Ah, le bug. That's gonna be great. Alors, augmente de 30% les dégâts avec une batte. Je sais pas si c'est un bug, mais du coup j'ai. Tant mieux. Hein. Down. Gwendolyn's puppy. Right between the eyes. Oh, mais j'aurais dû le tuer. Bon, ça va, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Allez. Ok. Ah non, allez go go. C'est surtout que je lui dis hein. Allez, je t'ai défoncé. Avant, je trouve des médicaments les amis pour me soigner. Ah là, il doit y avoir des médicaments là-dedans. Ah, dans l'autre. Même pas. Même pas. Oula. This'll distract them. Redland's puppy. Ah non, je suis en panique. Je suis en panique.
Est-ce que je peux redevenir en mode normal ou pas? I'm not done just yet. Yes. Passer en mode en panique et survivre. Yes, c'est bon ça. Alors, exécuter des ennemis pour guérir la cicatrice. I'll take that, thanks. This'll distract them. Oh. J'attends qu'ils aillent par derrière. Non mais franchement, je suis à fond dedans là. Allez, retourne-toi. Right between the eyes. My blood is boiling. Right through the skull. C'est bizarre, pourtant j'ai exécuté des ennemis pour guérir la cicatrice, c'est bizarre. On va actionner l'alarme. La sirène, pardon. Salut David! The Walking Dead! Bienvenue à toi sur le live de Walking Dead Destinies! Ah, la transition! Ah, du coup, je suis avec Rick Graham. Dépêche-toi, nous sommes sur le toit du bâtiment, parce qu'elle est jaune, il n'y a qu'à descendre la ruelle. Ok. Par où je passe? Ah, faut que je monte. Allez, Rick Grime. Don't mind if I do. Don't mind if I do. Don't mind if I do. Ah, je vais les défoncer. Oh mince! Ninja! Attends, je vais essayer de faire un truc. Oh! Ça c'est bon ça! Guess I'm headed to the rooftop. Je l'avais pas vu lui. En panique, en panique. Ah, je suis en panique. They won't go down without a fight. T'inquiète. Ah, vous pouvez pas monter. Allez monter. Yes. Allez, je les ai défoncés. No more weak attacks. Allez, c'est parti. Pourquoi je peux pas? Ah, pas d'attaque puissante. C'est marrant ça, pourquoi j'y arrive pas? Oulala. Ah non 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 non. Hey Glenn, nice to know there's still decent people in the world. Ah là là, je
peux pas. Quand je suis en panique ou en rage, enfin en rage, je peux pas me mettre accroupi. Je peux pas. C'est chelou. Bah pour l'instant, je suis à fond dans le jeu. Je suis même surpris dans le bon sens. Oh, ça charge. Je vais reprendre d'où? Ah, je reprends de là. Bon, c'est pas grave, je suis pas très bien. OK, Glenn. Don't mind if I do. Ah, ça n'a pas fonctionné. OK. Hop. I'll take that, thanks. Guess I'm headed to the roof. Mais j'ai pas compris, je pouvais pas. Allez, toi t'es mort. Allez, c'est bye bye. Je te dirai bye bye. Of course, it had to be something worse than walkers. Je prends l'échelle. Adrenaline is pumping. Hack Glenn. Nice to know there's still decent people in the world. Get off of me! Oh, il a pas voulu le. Comment je les ai défoncés. Je regarde. Ah, il y a un médicament là, je crois. Ah non, c'est une bouteille. C'est une bouteille. Oh, il y a des zombies. Dixon, are you crazy? Hey, you ought to be more polite to a man with a gun, huh? Ah oui, c'est pas le frère de Daryl. And you'll bring walkers down on our ass, man. Just chill. You think I'm gonna start taking orders from you? Ah oui, il y a le grand frère de Daryl. I don't think so, bro. Ça va en fait, ça va, ils se ressemblent quand même. Même si c'est pas fou. Ils ont fait en mode dessin animé, enfin en bande dessinée. Ah, lui a mis une patate. Ah, il se bastonne. It'll be the best use of ammo all day. Come on. Anyone gonna do something? Baston. Calmez les esprits, allez. That's enough. From both of you. Get up off of it. Il y a même des choix à faire dans le jeu. Ça c'est cool. Friendly. You kidding me, man? Look here. Whatever your differences were, things have changed. There's only white meat and dark meat. There's us and the dead. We survived this by pulling together, not apart. Yeah, mighty fine speech coming from a filthy pig. All I am anymore is a man looking for his wife and son. Anybody gets in the way of that is gonna lose. Are you standing up or am I dropping you? All right, officer friendly. Take us to the promised land. C'est vrai qu'il s'appelle Merle, le frère de Daryl. What the hell, man? Le frère de Daryl. Eh ben écoutez, franchement, ce petit Walking Dead Destinies, let's just go. Il est plutôt pas mal en vrai, hein. Il est vraiment pas mal. Just give him a minute to cool down, Rick. T'aimes toujours autant, Bernard? Et David, t'aimes bien aussi ou pas? Better catch up with those fools. What the fuck, man? Oh, looks like Officer Friendly needs to keep better track of his equipment. What do you think's gonna happen when you show up without me? Ah, merde. Oh, le salopard, merde. People go missing all the time. A few days, no one's even gonna remember your name. Look, they'll know it was you. They're not gonna believe whatever bullshit story you come up with. Officer Friendly seems to be of the mind to give people the benefit of the doubt. J'ai oublié de mettre le. Je remets le nom du site, j'ai oublié. I will. Hop.
You sure ain't going anywhere. Hey, stop! If I get loose, you better pray. You hear me? You redneck piece of shit! Merde, j'avais oublié que c'était un salopard, ce merde. Du coup, épisode... J'ai fini l'épisode ? Rick est dans un coma. Shane. Ah oui, Shane, c'est son meilleur ami. Qui a couché avec sa femme. Pour famille persuadée que Rick était mort, Laurie et Shane développèrent des sentiments l'un pour l'autre et entamèrent une relation amoureuse. Ensemble, ils ont rejoint un groupe de survivants qui campait dans la périphérie d'Atlanta. Alors, Bernard qui dit c'est pas mal, mais mon truc. Mais c'est pas mon truc, quoique ça me tente d'éclater des têtes. Bah en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça respecte déjà pour l'environnement, l'univers et l'histoire pour le moment. Mais j'avoue, graphiquement, on sent que c'est un petit studio. Ils n'ont pas mis les gros moyens, mais ça va, l'univers est là, donc ça va peut-être rattraper. Ah, c'est Shane. C'est trop bien fait. Salut Nat, tu vas bien ? I'll be back before you know it. Du coup, Rick, il va voir... Là, je suis dans le campement, Shane. Trouvez de la nourriture pour votre groupe. Je vais prendre la hache. Allez, la hache. Je suis Charlie Ingalls. Attends, il y a un truc à ramasser. Ouais. J'ai des points de compétence. D'ailleurs, maintenant, j'ai des nouveaux... Ah, le destin affecte les compétences. Ah. Ah, du coup, T-Dog, il est mort. L'un des personnages a quitté le groupe. Vous pouvez donc plus dévorer ses compétences. Ah non, je pensais pas. Je voulais calmer le jeu. Du coup, si j'aurais menotté merde, il serait mort en vrai. Je pense, hein. Bah nickel, tranquillement, hein. Franchement, là... Bon, je suis sur un jeu de zombies, je sais que t'es pas fan des jeux d'horreur, Nat. Mais vraiment, il est pas mal. Hein. Alors du coup, je vais augmenter qui? 13? Oh, non, j'ai pas assez. Si je prends... Lui, là, il fait quoi? Chaque balle peut traverser un ennemi et en toucher... Oh, c'est bon, ça. Et ça, c'est quoi, ça? Ok, on fait ça. Et avec lui... Il m'en faut combien, là? 4. Ok. Du coup, il y a Carl. Ah, comme il est fait, Carl. Il y a Laurie. Laurie, pardon. Carole. Bon, là. Ah, j'ai trouvé un truc. Ouais, de la des points de compétence encore. Bet Carl would like this place. Maybe we could catch some frogs. Ouh, je suis dans la mer noire. Pourquoi lui Shit. That son of a bitch has drawn every walker for miles with that racket. Allez. Je crois que je les ai un peu éclatés, les amis. Ah mince, j'ai cru qu'il était mort. Oh là là, ils sont chauds comme du chocolat chaud. C'est bon, t'es mort? C'est bon, vous êtes mort plutôt? Attends, maintenant que j'ai encore des points de compétence. Glenn. Ok. On va péter ça. Ah non, faut que c'est pour grimper, c'est pour monter. Je vais trouver de la nourriture. Ah, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle se fendre la gueule avec ses amis. Alors, ah, il y a de la nourriture. Oh là là. Ok, on me voit, on me voit, on me voit plus. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois.
Tu me vois plus, tu me vois, tu me vois. Tu me vois plus, tu me vois plus. I'll take that, thanks. Eh bien, il y en a combien comme ça? Shit, they saw me. Comment il m'a cramé? My blood's boiling. Ouh là là, je suis dans la mer noire. Oh! Je suis dans la mer noire. Là, je suis dans la mer noire. Tiens! Ah, ils sont restés bloqués. Oh shit! Ah mince, 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 cours! Get up, get up, get over here! Oh, je suis dans la mer noire. Ah, y a un objet. Bon, on va essayer de les buter, hein. Ça va être chaud, mais oh là 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 là! Moi je dis, je me casse. C'est mort pour moi, les gars. C'est mort pour moi. Oula, oula. Bon, l'avantage c'est qu'ils sont pas trop lents. Trop rapides. Par contre, là je suis dans la merde. En fait, il faut que j'arrive à en mettre pas mal. Ok, je vais essayer d'en shooter pas mal en même temps. Allez, vite, vite, vite. Let me go, let me go. My blood's boiling. Allez, allez. Allez, je tiens le coup, je tiens le coup. Yes, allez, Tommy, tu vas, tu peux le faire. My blood's boiling. Ah, moi aussi, je vais le faire. Silence, I kill you. Il m'en reste un là-bas, et c'est bon. Salut, mon Nico. Maintenant, quoi de neuf? Bon, je les ai défoncés. Trouver la nourriture, ok. Bon, il y en avait plein. Maintenant, je peux te faire de la... Je peux cueillir des fruits en toute tranquillité. 5. 6. Et un dernier là-bas. Voilà, ça c'est fait. Que du vieux. C'est vrai, en fait. Que du vieux. Et toi, des fois, de temps en temps, je te vois jouer un peu sur la PlayStation. I'll take that, thanks. This'll distract them. Right through the skull. Adrenaline is pumping. Get off of me! Moi, je suis dans la mer noire. I could use some meds. No! Ah, je vais mourir, en panique, en panique. Je suis en panique. I'll take that. Oh non. Merci mon Nico. Merci mon Nico. Je like tout de suite. Là actuellement je joue sur Ah t'es sur Walking Dead toi aussi. Ah c'est cool. Alors t'en penses quoi? Bah alerte, tu charges ou pas?
Il veut pas charger ou quoi? Right through the skull. Right through the skull. Oh merci mon Nico encore. C'est Star Wars bientôt là avec toutes ces étoiles. Merci mon ami. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Hop. Merci beaucoup. Tiens, hop. Merci beaucoup. Tiens, j'ai épinglé ton petit... ton joli don. Merci bien, l'ami. C'est bizarre, il n'y a plus de son. Alors, je sais pas si t'as remarqué sur le jeu. Je sais pas si tu m'as répondu actuellement. Je joue sur ce jeu. Ok. T'as remarqué que quand tu meurs et tu quand tu récupères des points de compétences et tu les utilises pour déverrouiller des compétences, tu meurs. Tu peux retrouver les mêmes compétences que t'as récupérées, les objets. Et par contre, les compétences que t'as déverrouillées avant ta mort sont toujours déverrouillées. Du coup, tu peux mourir et recommencer plusieurs fois et tu déverrouilles toutes les compétences. C'est ouf, hein. Enfin, je sais pas si c'est un bug ou c'est fait exprès, mais... My blood's boiling. Let me go. Let me go, let me go, let me go. Et on a combien? Ah, je me casse, je me casse. Lui, il est pas mort. Mais alors, tu l'as eu ta PS5 ou pas, Nico? Oh, des médicaments. I'll take that, thanks. Oh, des objets. Allez, je me soigne. I need to take the oui, je me suis soigné. Je vais dévorer des trucs. Alors, ça, c'est quoi, ça? That's gonna be yes. Great. Yes! Ah, apprendre les bases, c'est quoi ça? Débloquer 10 atouts. That's gonna be great. Allez, j'ai tout That's appris. Gonna be great. Bon, j'ai tout appris avec Shane. Shane Monu, lundi, c'est officiel. Avec Plague Tale, cool. Bah, t'as vu en plus, elle est pas chère en ce moment la PS5. Hein. Donc, en plus, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de. Que la PS5 Slim devrait sortir demain. Alors je comprends pas, alors je sais pas pour vous. La PS5 Slim va sortir sans doute demain, mais je comprends pas la stratégie de PlayStation si c'est le cas. Là, actuellement la PS5 standard là, elle est en promo pendant le Black Friday. Pourquoi ils vont mettre en vente tout de suite la PS5 Slim qui va coûter 550 €, qui va pas y avoir le socle vendu avec, il va falloir rajouter 30 € en plus. Sachant qu'elle est vendue 429 € la console standard ou avec un pack avec le jeu, à moins qu'ils la mettent en vente au prix de la promo du Black Friday. J'y crois pas trop. J'ai pas compris la stratégie. Est-ce que c'est parce que moi je la verrais plus au fin du Black Friday en décembre quoi, le 1er décembre quoi. Donc j'ai pas capté. Sorry brother. Une série TV Plague Tale, ouais c'est vrai, en préparation. Dire que je l'ai payé 650 avec deux jeux il y a un an. Moi ça va, je m'étais bien démerdé. J'avais fait une optimisation en plus, j'avais fait reprendre ma One X. Il y avait une bonus de reprise alors qu'elle était en fin de vie. 250 € je crois qu'elle m'a repris.
Enfin voilà, et puis après là j'ai eu la version vu que j'avais pas le PlayStation m'avait pas donné, ils avaient pas assez de code, franchement, dans une quantité limitée, c'est rare. Et du coup, j'ai pas pu avoir Spider-Man 2. Du coup, vu que j'avais gagné une carte cadeau de 200 € de Micromania, j'ai été me prendre la PlayStation 5 Spider-Man avec les coques, la manette et le jeu. Et j'ai revendu ma console que j'avais achetée en 2020 Day One. Et je l'ai vendue 400 € sur le bon coin. Et du coup, en fait, j'ai même revendu la manette Spider-Man que j'avais parce que du coup, moi, je pensais trouver les coques. Bah, du coup, je l'ai revendue 100 € là, vu qu'elle était plus disponible. Du coup, je me suis fait aussi de l'argent, mais bon. Ah, je l'ai vendue un peu plus cher, mais ça va, j'ai pas été trop. Je l'ai pas vendue 150 € non plus. Je l'ai vendue 20 € plus cher. Lori, it's Shane. Heading back to camp now. Hurry on back, you promised Carl some frog catching. Ou 25 € plus cher, je crois qu'elle était à 75. Du coup, je me suis fait de l'argent et en plus, avec le bon d'achat de 200 € que j'ai eu, plus le solde que j'avais sur ma carte, c'est plus rentable. Mais franchement, la manette et les coques Spider-Man à son top. Oh, Rick Graham! Rick? Rick? Dad! Papa! Dad! Salut, Carl! Lori. Thank God. Thought you were dead, Shane said. Lori, we need to talk about. No, Shane, we don't. From now on, my family is off limits to you. Oh! Le camp des survivants. Alors attendez 2 secondes, je regardais juste un truc. Alors, oh, en plus c'est bientôt la fin du live, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Alors attendez, je regarde ce que mon retour de live. Ok. C'est bon. Bah pour l'instant, franchement, j'accroche. Je m'étais dit, c'était pas prévu que je teste le jeu aujourd'hui. Parce que normalement, il n'y avait plus de code et tout. J'ai pu avoir un code sur PS4, PS5. Du coup, m'a donné l'opportunité de l'essayer. Et je suis content parce qu'en fait, moi qui adore la série Walking Dead, je peux avoir un bon avis dessus. En tout cas, l'histoire est bien respectée, hein, c'est exactement à l'identique. Graphiquement, bah, ça ressemble plus à du à la, au jeu Telltale Series. C'est un, je dirais cartoon, un peu cartoon, mais l'ambiance est là, l'univers est là, c'est cool. Time to meet the new neighbors, I guess. Il faudrait passer voir les voisins, résoudre le conflit. Alors, localiser le tableau de mission. Ah, il y a des missions carrément. Are you kidding me? Listen, I'm not doing anything wrong. Alors, Dale tremble de colère et d'appréhension tandis qu'il confronte Merle. Alors, c'est comme ça qu'on fait maintenant, on abandonne les nôtres. Et toi? Lui crache-t-il au visage. Je sais que tu as quelque chose à te reprocher. Merle se contente de lui sourire. Qui ça, moi? Mais qu'est-ce qui t'a fait penser ça, le vioque? Merde, en fait, il a jamais été apprécié. Toi, vous étiez sans cesse à vous engueuler. Grundle, tu as fini par te débarrasser de lui. Eh bien, tu te débarrasseras pas si facilement de moi. Je vais y arriver ce soir à lire. Hein. Allez, je défends Dale. Give me a break. Hein? Don't you look down at your nose at me, sonny boy. Par contre, Rick est mal fait, je trouve. Exactement. C'est vrai que Rick est là-bas, là, ouais, pas du tout. Glenn, il est bien fait.
Merle aussi. Shit sure has hit the fan, ain't it? Par contre, j'ai des points de compétences. Je vais débloquer des trucs, attends. Oh, du coup, j'ai tout... Daryl. Oh, bah attends, je vais débloquer Daryl. Attends. Ok. We need to go on. Oh, il y a de la bouffe. Check out the map over on that table. Tableau des missions. See what else needs doing. Le cul entre deux chaises. We should send some folks. Alors, attends. Vu l'heure qu'il est, je pense, les amis, on va pas commencer à faire une mission. Est-ce que ça vous tente que je continue le jeu demain? À la base, je devais faire... Spider-Man. Mais j'avais pas encore le code. Parce que... Et je suis à 79% du jeu, les amis. Je suis proche de platiner le jeu. Donc je pense que, les amis, en décembre, ça va être très calme. Hein. Je vous le dis, hein, en tout cas... En décembre, je vais pas avoir... trop de gros jeux à tester, je crois que même j'en ai pour le moment aucun à tester, donc je pense que dès que ça va se calmer, je vais reprendre Spider-Man et on le platinera. Et on va le platiner, et je pense que ça vous tente demain que je continue l'aventure de Walking Dead. Parce que là je suis vraiment à fond dedans. Je suis vraiment à fond dedans, il est 25, je vais pas me lancer dans une mission. Maintenant, et attends, est-ce que si je fais... Charge, menu principal, attends, juste voir ce que ça me met à continuer. Est-ce que ça va me reprendre à ce moment-là? Pourquoi pas? Et normalement, dès que j'ai fini, on fait du Walking Dead. Et dès que j'ai fini le jeu, s'il est pas trop long... Ah ouais, je suis obligé de recommencer d'ici? Non. Ah non, ça m'a fait peur. Du coup, attends. Est-ce que le jeu va bugger? Attendez, on va tenter un truc. Est-ce que je vais récupérer encore des points? Attendez, on va refaire la technique. Et ben voilà, attendez, en fait, si je fais ça tout le temps... Voilà, et là je vais avoir 5 points de compétence. Voilà, et fais voir. Ah non, là ils n'ont pas compté, mais tout à l'heure ça... j'ai pu... Ok. On va faire ça. Juste regarder autre chose. Je fais juste le tour du camp. Ah, c'est Carole là. Ah ouais, c'est Carole. Parlez à Carole. Beautiful day, isn't it? C'est vrai, il y avait sa fille. J'avais zappé. Il y avait sa fille. C'est quoi ça? Ok. Là c'est Laurie. Hey, you think we'll be okay? Là c'est Carl. Là c'est Glenn. We need to go on a run. Let's check out the map over on that table. Ah ouais, c'est vrai qu'il y aurait dû de la coop, ça aurait été pas mal. Et puis on aurait pu en faire ensemble en plus. C'est vrai, Nico. On aurait pu jouer ensemble, ça c'est dommage. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Attends, je regarde. On peut monter. Est-ce qu'on peut prendre l'échelle là-bas? Ah non, je peux pas. Je vais juste faire le tour du camp. Et là, c'est la mission principale. Donc demain, on commencera la nouvelle mission. Comme d'habitude, vers 18h, plus ou moins, parce que des fois, il y a des contretemps, du contretemps. Un petit contretemps, pardon. Je vais y arriver encore une fois. Aujourd'hui, j'y arrive pas à parler. C'est dingue. Hello Karine! Ah, ça fait un bail! Un petit coucou furtif, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur un de tes lives. Ah, merci! En plus, t'arrivais à la fin du live. Eh ben, j'étais comme toi, Karine. Au début, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait ah! J'ai fait ah, non, il va pas être fou. Parce que, franchement, la bande-annonce donne pas du tout envie de jouer au jeu. Et dès que là j'ai lancé le jeu, je fais ah, ça respecte l'univers, l'histoire de la série, je fais
ça ce qui va permettre de sauver le jeu, tu vois. Mais je suis complètement d'accord, niveau graphisme, c'est pas ça, ça ressemble plutôt à une BD, quoi. Un peu comme les jeux Telltale, Series. Ben vas-y, de toute façon, moi je suis en live demain à 18h, Karine. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre son Instagram. Le Geek Paresseux, les amis. Elle a un petit site qui regroupe plein de tests et des articles avec un groupe d'amis. Je ne sais pas si c'est des amis ou quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, c'est propre. N'hésitez pas à follow son Insta. C'est propre. Bisous les amigos. Bah, passe demain. Eh, cette pub de folie. Bah oui, franchement, je regarde tes stories. Et je trouve ça, c'est bien fait, c'est cool. Le geek paresseux, les amigos. Demain, 18h. Hein. Demain, 18h, la suite. Comme je vous l'ai dit, ça peut être 18h, 18h10. Voilà, ça dépend des petits retards, des contretemps. Y a pas de souci. Ok, les amis. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas. De toute façon, il y aura le replay si vous avez loupé le début. Et puis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Des gros bisous, les amis. Et bon appétit. Et à demain. Ciao.